C'est plus qu'un tabou. Il est mort, mais il sent tout. Je te dis, Pouchkine, tout. Comment sais-tu? Je le vois. Arrête-lui là, on ne dit plus les mains. Thank you.
Attends. Tu vas t'amuser.
fonctionner, la guillotine? Ne recommence pas avec ça. Ne recommence pas avec sa manche. Je commencerai avec ça. La mort en public, il n'y a pas de plus belle mort. Préfère mon lit, merci. Préfère mon lit, merci. Moi, je veux une vie juteuse et une mort rapide. Et moi, ce que j'aime bien dans la guillotine, c'est qu'elle est belle âme. Et le type, il souffre pas. Et qu'est-ce que t'en sais qu'il souffre pas? T'en es revenu? Ouais, j'ai vu une seule exécution. Le type, c'était un grand assassin et il pleurait. Et après, il a continué de pleurer. C'est beau ce que tu dis, Rodin. C'est beau. Je ne les coupe pas. La mort, il ne voulait pas. Et toi, Lige, la guillotine. La lame est belle. C'est de la boucherie. Mais c'est la vie qui jaillit, comme tout ce qui jouit, qui gémit, qui saigne. Ce bouillonnement de sang rouge, de beaux crimes, c'est beau à voir. C'est plus beau que tous ces grabataires dans des hospices. C'est beau comme un orgasme, ce que tu dis, Ange. Voilà une fois horrible. T'as plus Dieu, plus de dents, plus de cheveux. Tiens, comme une nouée, là. Dans 6 mois ou 1 an, pourri comme elle est de syphilis, en plus elle fait la monde. Il ferait mieux d'abréger, tiens, par une mort rapide et propre. Il faut la peine, ouais, sinon je te la casse, ta grande gueule. Laisse, Pilar, ça m'intéresse. Il est dangereux, ce type, il faut l'enfermer. Je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas, le pourri de maladie, là, syphilis ou autre. Allez hop, à la guillotine. Bonjour. Préfère mon lit, merci. Ange, je ne crois pas d'assister à une exécution capitale. Hey, mon père nous a mené à l'exécution. Elle n'était pas plus haut que ça. On se mettait au premier rang pour voir le regard du type. Parfois, il ouvre les yeux, la tête sur le billot, et il regarde le panier plein de boue rougeâtre. C'est le fond des égouts, des échafauds. Et on voit sa tête qui se dit « Bientôt, je vais être là !» Et oh, sauveur, il pleurait. Moi, j'avais une intrigue, comme ça. Comme ça? Il s'était même pas moqué une petite guillotine. Puisque t'en restes tant, Ange, fais-toi plaisir. Abrège-toi tout de suite. Mais Ange, il est éternel. Ange éternel. Tous ces imbéciles qui ont peur de la mort. Moi, je trouve extraordinaire ce type qui étrangle une femme. Un sacré type. Il est quand même puissant pour faire ça. Et si mon père les a même pas violés. Mais pourquoi? Mais les risques qu'il prend, c'est ça son plaisir. Il doit se payer de ses orgasmes. Qu'est-ce que t'en sais? C'est toi l'étrangleur? Oui, c'est toi l'étrangleur? Et malheureusement, je pourrais pas te faire, moi. L'étrangleur, le seul avec toi que j'irai voir finir à la guillotine avec plaisir. Pourquoi? Parce qu'elle a peur qu'il l'étrangle, et c'est dommage pour elle, ça lui ferait une belle mort. Plus belle que la guillotine. Les termes s'arrangent, tu nous chauffes. Hein. Voilà, vous préférez tous mourir à petit feu que vivre à grande vitesse. Moi, tu as déjà passé une nuit qu'à condamner. Eh, plus d'une fois, ça m'est arrivé. Tu as déjà vu ta mort en face? Oui. Arrête de souffrir. Est-ce que monsieur ici est le seul à connaître la mort? Hein? Elle est condamnée à mort. Monsieur est un petit homme et que dans leur cellule. Quoi pour le temps? Condamné? Alors, rassure! Maton! Confesseur!
Si tu tiens à la vie, Lille, je pose pas de questions. Alphonse, qu'est-ce que t'as sous les pieds? Qu'est-ce que t'as sous les pieds? Des femmes! Ange, il n'y a que la mort qui me fait bander. Moi, c'est des femmes. Et le type qui les étrangle, c'est peut-être les deux en même temps. Des femmes et la mort! Elle veut pas voir de bijoux de famille non plus.
Mon père, il disait toujours, si tu bois, tu meurs, si tu bois pas, tu meurs. Alors, bois. Bravo, à boire. Sauveur. Tu as sans doute ton albinos. Les océans de glace d'Islande. C'était la reine de la banquise. Je veux plus voir cette fille ici, moi. On n'est pas dans la famille. Elle pue. Ah, ça, ça n'a pas l'odeur, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est bon. Et je suis pas marié avec elle. Je la manque, c'est tout. Et si tu la ramènes ici, je la démolis, moi. Pas que tu me passes dessus, hein. Tout ça parce que monsieur est jaloux. Alors dis-moi comment elle s'appelle, j'ai oublié. Alors, c'est vive drôle. Et ça... Ça vous dit rêve de femme. Vino, trop. T'es pas en tête sur mon pute. Eh bon. Excuse-moi, monsieur, monsieur. Je vous en prie. T'as pas de cœur. T'as jamais aimé. Y'a rien qui te touche. Même celle avec qui tu voulais mourir. T'as jamais baisé. Je l'ai pas touché parce que je l'aimais. Ça, c'est une preuve d'amour. C'est une belle roue de conneries. Hé hey, t'as pas besoin de forcer pour être con. Mais je vais pas me forcer non plus pour m'occuper de Gabi, ta femme. Si tu baisses pas d'un ton. Parle pas de ma femme. Sauveur, tu ne devrais faire partie des généreuses ce soir. Bref, emmène-la derrière. Elle danse avec nous. Il est de l'eau. Alors, monsieur Richard, vous voulez sortir ma figure de brouille? Très bon! Oui! Vicky! Oui! Ne me dites pas que ça va plutôt mal! Oh! Ne passe pas les questions de Vicky, très bon! Monsieur Laurent, tu parles d'église! Tu vas voir, comme elle danse! Les algues de mer, sur la plus belle musique de tous les temps! Thank you.
Bonne nouvelle que la petite monte. Je prends pour une demi-heure. Alphonse, vous rêvez, c'est ici qu'on perd. Attends, Alphonse. Je paie pour toi et je la prends d'avant. Tu m'offres la nuit? Moi, je la prends pour la nuit, monsieur Richard. Bah. Tu m'offres la nuit? T'es à moi pour une nuit sans lune. Lâche-la! Je vais voler avant toi. Eh, hey, t'as déjà vu de gros. Les gamines, ta femme, t'en veux combien? Si vous payez bien, je vous prends en forme. Viens là! Tu es à Pouchkine ce soir. Et tu me régales? C'est compris, votre gosse? Elle est pour moi, la violente. Raymond, tournée générale à mes frais. Eh, hey, il y aura pour tout le monde, et pour tous les goûts. Prends, c'est fini. Il faut rester les meilleurs, les vrais, quoi. C'est le compte de la troupe, c'est la politique. Eh, hey, j'offre un numéro spécial ce soir. 10 billets pour du jamais vu. 10 billets à la fille qui enlèvera ses vêtements de peinture. Le visage entièrement nu. 10 billets. Alphonse, où tu vas chercher tout ça? Cherche pas, vieux, je trouve. Tu dis vague. Sors de côté à nos biscuits. Mort, à quoi par ici, mon grand? Il y en a une qui ose faire ça, je me les coupe. Si, si. Hey, attends, c'est ce que tu dis. Ils sont trop vides. Elle fait pas ça, surtout pas toi. T'as pas ça, anyway, ils en valent pas la peine. Ils sont bons. Alors, mesdames, un peu de courage. T'as gardé, tu entends? Je suis pas ta fille. C'est de l'argent que tu veux? Tiens. Elle fait pas ça. Yeah.
petite allégresse sans froid comme un serpent de rivière. Tu chasses tes misères qui te courent derrière. Mais peine pour les galères, là tu fais comme ta mère. Qui mord les panthères, il est loin de bien. Il repasse formidable avant une dernière vie roulable. Oui, mais la solution fait un accident, n'est-ce pas?
seul dans ta chambre? Et dis-moi, et si on les deux? Et toi, Lise? Tu connais le plaisir? Prince, le plaisir, c'est un mille fêtes. Et pourquoi Raymond ne connaîtrait pas le plaisir? Ah, Raymond? Tu connais le plaisir? Je le connaîtrai le jour où ça arrivera. Quoi? Il parle de son mariage. Raymond! Meurs pas avant d'avoir connu le plaisir! Et c'est pas le père Pouchkine qui dit ça, c'est moi, Rodin! Élise, tu viens avec moi? Mon père, il disait toujours, si tu baises mal ta femme, elle te quitte. C'est pour ça qu'elle est partie, la tienne. Elle n'est pas partie. Elle s'est suicidée. Par ta faute. Et toi, monsieur le suicidé, ravé d'opérette, pourquoi t'es encore vivant? On m'a empêché! Quand un homme veut donner la mort, on doit le laisser, pas l'empêcher. On devrait même l'aider. Tu t'es dégonflé! Pouchkin s'est dégonflé, je rêve. Ta femme, elle a bien fait de se suicider. Je m'en fous de toi! Eh bien, ne me regarde plus! Grand et bête comme tu es, je t'aime! Violente! Violente! Embrassez-vous. Au fond, rien n'est plus sain que la débauche. Pas ça va. Les gars, la petite reine s'y met aussi, ma parole. Monsieur la marionnette, fais-nous un déshabillage savant. Il n'y a rien à voir, là, qu'est-ce que tu veux qu'elle t'as pas vu ta tête, ton papa, il n'est pas là. Son papa est en train de traîner Vindrome dans l'arrière-boutique. Hé, arrête! Va lui dire à ton père qu'il vient de les traîner ici, que tout le monde se bat! Mais non, laisse-le là où il est, nom de Dieu! Allez! Hein? Arrête! Prends un peu ici, on va s'amuser. Hey, je vous l'offre, ça va tourner! Allez, pousse-toi un peu! Va voir! Elle est pour le prince! Hey, doucement, c'est la fille de Richard, elle est pour qui? Elle est pour prince! Elle est pour personne, c'est compris? Ben, toi, dis-toi, on veut pas se faire des petits plaisirs entre hommes? Si tu lances ton stomach, tais-toi l'autre chose! Je croyais seulement que tu me prenais pour Dieu, c'est tout. Violente, écoute-moi. Thank you.
joue pas avec toi ce jeu. T'entends, Rosa? Tu pourrais le regretter. Tu regretteras, tu. Monsieur Richard, votre fille, elle attend que ça. Je vais vous crever. Cinq fois. Vous crevez. Et vous crevez. Et toi, qu'est-ce qui t'a pris? Hein? Mais qu'est-ce qui t'a pris? Toi, rêve. Hein? Tu veux que la vie ici, maintenant? Hein? Mais c'est ton bon nom de Dieu. Richard, c'est ta fille. Hein? Mais qu'est-ce qui t'a pris? Nom de Dieu, prête pour moi. Tu as dit que c'est pour les hommes? Hein? Enlevez-la, s'il vous plaît. Je vous en prie. Et votre fille, enlevez-la vous-même. Anyway, pourquoi? Je ne t'écoute plus, Richard. Depuis cette nuit-là, je m'en mords trop les doigts. Moi aussi. J'ai peut-être attrapé ton sale truc. Tu as peur de la syphilis? Mais qu'est-ce qui peut t'arriver de plus? Moi, j'ai peur. Notre enfant te ressemble. Je veux qu'il me ressemble. Et tu l'aimeras. S'il te ressemble, je préfère qu'il crève. Dis-moi ça deux fois. S'il te ressemble, bah, dis-moi. S'il te ressemble, Richard, je préfère qu'il crève et ça fait trois fois. Hortez. Veuillez. Vous me paierez. Vous fichez. Comme les chiens, vous dévorez le cœur. Allez vous faire exploser et restez-y. Ouais. Mon enfant chéri, est-ce que tu souffres? Je sens que tu m'entends. Ne reste pas là. Si tu veux aimer les hommes, je te laisserai les aimer. Tu feras ce que tu voudras. Tu sais, toi seul existes pour moi. Elle, je t'aime. Je ne veux plus vieillir, l'avenir me désole, comme on doit s'ennuyer à l'âge de 20 ans. Moi, je ris tous les jours, je joue à qui je vole. Et maman prend plaisir à mes jeux innocents, et maman prend plaisir à mes jeux innocents. Je ne veux plus vieillir, l'avenir me désole, comme on doit s'ennuyer à l'âge de 20 ans. Moi, je ris tous les jours, je joue à qui je vole. Et maman prend plaisir à mes jeux innocents, et maman prend plaisir
à mes autres innocents, à Dieu mon père, Richard, qui traînait ma voiture, et que j'ai vu grandir au pied de mon berceau. Nous n'irons plus sur moi. Courir à l'aventure. Nous n'irons plus à moi. Adieu mon petit chien, qui courait. Qui courait à l'aventure. Nous n'irons plus sur moi. Ah non, monsieur Richard, faut pas pleurer. Après, on peut plus s'arrêter de pleurer. La vie est belle. La preuve, il y a de plus en plus de gens qui vivent. Raymond, je t'aime bien, tu sais. Mais qu'est-ce que tu peux être belle de toi? Arrête de rêver. Serait belle. Gwynne Drum serait très belle. Les cloches tinteraient dans toute la ville. Mais c'est merveilleux, monsieur Richard. Rien à parler, mais. Imbécile, c'est ce qu'elle m'a dit. Je ne t'aime pas. Je vais faire des prières pour vous. Elle voulait faire frapper au mur des prières. Elle voulait faire danser. C'est lourd comme la terre. Vous voyez, monsieur Richard, si vous préférez, restez dans votre bras, je vous porterai. Non, merci, Rémi. Je ne peux pas faire encore mon coup. Musique.
Puisque je ne puis être l'amant qui charmera ces tambours parleurs, je suis déterminé à être un scélérat et le trouble fait de vos jours frivoles. Je te fais la promesse que Richard III est mort en moi. Vive le nouveau Richard qui t'aime, quoi que tu en dises. Drapeau à ma fille reine. Ah, reine. Ah, reine, reine, là-bas. Qui sont des tragédiennes toutes seules. Chaque cheveu est une pensée. Chacune de ces pensées d'une. Au feu. Je suis de baisse tournée et je porte un toc à Raymond. Tenez plutôt les trembleurs. Il y a une cinquième victime. Sauveur. C'est ta femme, Gaby. Où est-elle ? Si c'est pour rien, tellement abîmé, ils ont brûlé les restes. Vous voulez avoir le bas? Madame Poutière, mettez-moi un bas! Un bas!
chagrin de vieille peau, c'est aussi sérieux qu'un chagrin d'enfant. Excuse-moi. Quand j'étais petite fille, je voulais être une sainte. Et j'ai une croix gravée là. Heureusement pour vous d'ailleurs, parce que sinon je ferai un massacre. Je regarde les petites pimpeilles qui étaient sur place. T'es pas des hommes. Attends, t'es un vache. Y'a qu'avec toi que je les ouvre les yeux quand je monte, parce que toi t'as un vrai regard. Les gens qui aiment dans la souffrance, ils te jalousent parce que tu souffres. Moi pas! Je hais la souffrance! Et puis là, il arrive. Et des fois, j'ai l'impression que le monde il va te salir. Comme si une douleur est trop forte. Vraiment, c'est insupportable. Je suis triste jusqu'à la mort, je m'en vais regarder les chenilles. Ça me coince. Mais quelle puissance pour faire ça! Mais les mains puissantes! Mais c'était une séminaire!
mais où? Monsieur Richard. C'est qui? Richard. Vous êtes qui, vous? Alphonse. Bon, nous, on est à la plage. Oui. Ah, j'ai mal. Vas-y, attrape le ballon. Oui, c'est ça. C'est le vent, on dépasse tout le monde. Alphonse. Oui. T'es une fille. Oui, je suis une fille. Je vais mourir. Mais non, Raymond, quelle idée. L'anglais vient voir les cuites bien faites. Thank you.
J'ai péché. J'ai commis le péché de la chair avec Madame Noé. Seigneur Dieu, je suis triste d'avoir péché, de vous avoir désobéi. Pourtant, dans le fond de mon cœur, je suis content. Je suis content d'être un homme. Seigneur Dieu, je suis triste d'être content. Je demande humblement votre pardon. Seigneur Dieu, je vous aime. Monsieur Alphonse, à qui tu parles? Je prie. Qui? Le Dieu. Il est où? Il est partout. Pourquoi tu regardes là-haut? Je sais pas, on fait comme ça. Il est partout et tu regardes en l'air? Je ne peux pas parler fort, on est dans une église. Pourquoi on ne peut pas parler fort dans une église? Parce que c'est comme ça. Moi, je ne t'embête pas au café, s'il vous plaît. Ah, pardon, mon Dieu! Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? J'ai soufflé la première lumière de Dieu et je vais souffler la deuxième. Ah, non, faut pas faire ça. Faut pas faire ça, sinon... Si bien que toi... C'est sacré, ça. Faut pas y toucher, ça. Regarde. Non! Je suis... Non! Non! Et rien n'arrive! Sortez! Sortez aussi! Dieu éternel, absent, il est nulle part! Nulle part! Nulle part. Nulle part. Raymond, tu n'es pas mort. C'est toi qui es mort. Et qui? Toi. Toi, Lige. Toi que nous allons tuer et enterrer à l'aube. Tu veux mourir? Je comprends pas. Réponds-moi, Raymond. Tu me fais. Tiens, tiens, tiens. Le feu sur la mer. 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 Le feu sur la mer.
Un enfant idiot qui ne comprend rien à rien.